L'agneau et le papillon. Arnold Sengard. Les images par Eric Carle. L'agneau demanda au papillon : Où est ta mère ? Le papillon répondit : Je n'en ai pas la moindre idée. Ma mère s'envole d'un côté pendant que moi je vole de l'autre. Et d'un zig et d'un zag et d'un zig-ti-zag, le papillon s'envola au loin et atterrit sur un pissenlit. L'agneau prit ses jambes à son cou et courut après lui. « Où est ta maison ?» demanda l'agneau au papillon. « Le monde est ma maison, » répondit le papillon. « Je suis libre de m'envoler où cela me plaise. » Et avec un zig, et avec un zag, et un zig-ti-zag, le papillon s'envola et atterrit sur un chardon. L'agneau prit ses jambes à son cou et courut après lui. « Mais où dormez-vous ? » demanda l'agneau au papillon. « Je dors où cela me fait plaisir, » dit le papillon à l'agneau. « Où je suis, eh bien, c'est là où je dors. » Et avec un zig et un zag et un zig-ti-zag, le papillon s'envola et atterrit sur un coquelicot. L'agneau prit ses jambes à son cou et courut après lui. « Pourquoi volettes-tu comme cela ? » demanda l'agneau au papillon. « Pourquoi ne devrais-je pas voleter ?» répondit le papillon. « Eh bien, les agneaux ne volettent pas !» dit l'agneau au papillon. « Nous, on marche en ligne droite. L'un après l'autre, on se suit. » Mais moi, je ne suis personne, dit le papillon à l'agneau. Je vais où je le désire. Et maintenant, je choisis de quitter la prairie. Et avec un zig et un zag et un zig-ti-zag, le papillon quitta la prairie et atterrit sur un tournesol. L'agneau courut après lui. Reviens, reviens, il cria. Je veux te poser une question. Mais quelle est ta question ? Demanda le papillon à l'agneau. S'il te plaît, ne me quitte pas, supplia l'agneau au papillon. Ce n'est pas une question, dit le papillon à l'agneau. Mets-le donc sous la forme d'une question. Et l'agneau dit : Pourquoi ne restes-tu pas avec moi ? Ma mère prendra bien soin de toi. Et l'agneau dit : Pourquoi ne restes-tu pas avec moi ? Ma mère prendra bien soin de toi. Avec un zig et un zag et un zig-ti-zag, le papillon s'envola dans le ciel. « Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi, » dit le papillon à l'agneau. « Je suis sur mon chemin, » cria-t-il. « Au revoir,
Au revoir. » Mais juste à ce moment-là, un nuage noir féroce assombrit le ciel et la pluie commença à tomber. Une rafale en colère prit les ailes du papillon et l'emporta de vue. Et maintenant, il est perdu dans la tempête. Pauvre papillon, dit la mère à l'agneau. Mais c'est ce qu'il arrive quand tu papillonnes comme cela. Mais maintenant, je ne le verrai plus jamais, dit l'agneau à sa mère. Il est parti pour toujours. Et alors la mère demanda à l'agneau : Mais qu'est-ce que tu as ici sur ton dos ? Alors maintenant, resteras-tu ? L'agneau demanda au papillon. À ce moment-là, le soleil commença à sortir. Doucement, le papillon essaya de battre des ailes. Avec un zic, 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 et un zag, 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 et un zig et zag, il arriva à atteindre une vigne de chèvrefeuille. Il trouva un bassin de nectar et il sirota, sirota et sirota jusqu'à ce qu'il se sente fort à nouveau. « Je voudrais bien rester, » dit le papillon à l'agneau, « mais je dois en fait reprendre la route. Je me dirige vers le sud, tu vois. » « Qu'est-ce qu'il y a sur mon dos ?» l'agneau demanda à sa mère. « N'est-ce pas un papillon ?» la mère demanda à l'agneau. Et elle avait raison. Et bien sûr, sur le dos de l'agneau se trouvait le papillon lui-même. Ses ailes étaient mouillées et débrayées. On dirait qu'il ne pourrait plus jamais voler. Alors l'agneau entendit sa mère se balancer et elle se dépêcha vers elle. « Que fais-tu au loin, dans la prairie ?» la mère demanda à l'agneau. « Je suis le papillon, » dit l'agneau à sa mère. « Laisse-moi réfléchir, » dit le papillon à l'agneau, tout en séchant ses ailes. « Alors, qu'as-tu décidé ?» demanda l'agneau au papillon. « S'il te plaît, ne pense pas que je sois ingrat. » dit le papillon à l'agneau, et en étalant ses ailes dans un acte splendide d'envol, il ziga et il zaga et zigue-di-zaga, et bientôt il était perdu de vue. Cette fois-ci, l'agneau n'a pas pris ses jambes à son cou et ne courut guère après lui. À la place, elle marcha près de sa mère et ne demanda plus jamais à un papillon de se joindre à un troupeau de moutons. Au revoir les amis, au revoir les enfants.
L'agneau et le papillon. Arnold Sengard. Les images par Eric Carl. L'agneau demanda au papillon « Où est ta mère ?» Le papillon répondit « Je n'en ai pas la moindre idée. Ma mère s'envole d'un côté pendant que moi je vole de l'autre. » Et d'un zig et d'un zag et d'un zig-ti-zag, le papillon s'envola au loin et atterrit sur un pissenlit. L'agneau prit ses jambes à son cou et courut après lui. « Où est ta maison ?» demanda l'agneau au papillon. « Le monde est ma maison, » répondit le papillon. « Je suis libre de m'envoler où cela me plaise. » Et avec un zig, et avec un zag, et un zig-ti-zag, le papillon s'envola et atterrit sur un chardon. L'agneau prit ses jambes à son cou et courut après lui. « Mais où dormez-vous ? » demanda l'agneau au papillon. « Je dors où cela me fait plaisir, » dit le papillon à l'agneau. « Où je suis, eh bien, c'est là où je dors. » Et avec un zig et un zag et un zig-ti-zag, le papillon s'envola et atterrit sur un coquelicot. L'agneau prit ses jambes à son cou et courut après lui. « Pourquoi volettes-tu comme cela ? » demanda l'agneau au papillon. « Pourquoi ne devrais-je pas voleter ? » répondit le papillon. « Eh bien, les agneaux ne volettent pas, » dit l'agneau au papillon. Nous, on marche en ligne droite. L'un après l'autre, on se suit. Mais moi, je ne suis personne, dit le papillon à l'agneau. Je vais où je le désire. Et maintenant, je choisis de quitter la prairie. Et avec un zig et un zag et un zig-ti-zag, le papillon quitta la prairie et atterrit sur un tournesol. L'agneau courut après lui. « Reviens, reviens !» il cria. « Je veux te poser une question. » « Mais quelle est ta question ?» demanda le papillon à l'agneau. « S'il te plaît, ne me quitte pas !» supplia l'agneau au papillon. « Ce n'est pas une question !» dit le papillon à l'agneau. « Mets-le donc sous la forme d'une question !» Et l'agneau dit « Pourquoi ne restes-tu pas avec moi ? Ma mère prendra bien soin de toi. » Avec un zig et un zag et un zig-ti-zag, le papillon s'envola dans le ciel. « Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi, » dit le papillon à l'agneau. « Je suis sur mon chemin !» cria-t-il. « Au revoir, au revoir !» Mais juste à ce moment-là, un nuage noir féroce assaut.